Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans notre émission Ta parole est vérité, Jean 17, 17. Nous allons continuer donc l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous allons parler de la chasteté. Alors, on avait fait une distinction entre le vœu de chasteté. Il y a donc ce vœu de chasteté. Chasteté. Prononcé par les religieux, donc ceux qui font partie d'une communauté religieuse, ce qu'on appelle le clergé régulier, parce qu'ils ont une règle de vie, qu'on distingue du clergé séculier, qui sont les prêtres. Donc clergé régulier appartiennent à une communauté religieuse et font le vœu de chasteté, et les prêtres, eux, ils font une promesse de célibat. Alors, quelle différence il y a entre les deux? Concrètement, dans l'exercice, c'est-à-dire dans la manière de vivre la promesse de célibat ou le vœu de chasteté, le prêtre diocésain, comme le religieux, s'engage à vivre sans rapport sexuel jusqu'au jour de sa mort. Si un religieux ou une religieuse ou un prêtre vous dit autre chose, c'est un menteur. Et donc, tous les prêtres, au moins dans l'Église catholique romaine, font une promesse de célibat. D'ailleurs, dès le diaconat, non. Quand ils sont ordonnés diacres, à un moment, c'est très joli, hein, l'ordination d'un diacre. On demande aux responsables, donc, a-t-il les aptitudes requises? A-t-il eu la formation nécessaire? Nous avons contacté les gens qui l'ont formé, qui l'ont éduqué. Et après, au bout d'un moment, il dit, bon, vous voulez devenir diacre? Ok. Montrez votre volonté de vouloir vivre le célibat. Pour ça, avancez d'un pas. Tout le monde avance d'un pas. 6 mois plus tard ou un an plus tard, lorsqu'il va devenir prêtre, pour montrer votre promesse de célibat, avancez d'un pas. Tout le monde avance d'un pas. Et les prêtres font cette promesse de célibat. Promesse de célibat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rester célibataire. Or, dans l'Église catholique, je ne peux avoir des rapports sexuels que si je suis marié à l'Église. C'est un homme et une femme mariés à l'Église qui sont conformes au plan de Dieu. Si un homme et une femme ont des rapports sexuels et ne sont pas mariés, on appelle ça la fornication. Si un homme marié a des rapports sexuels avec une petite dehors, on appelle ça l'adultère. Et la fornication et l'adultère sont condamnés par Dieu et par l'Église. Et donc, le prêtre, en faisant une promesse d'être célibataire, fait une promesse de rester, donc, sans donner son corps à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que la promesse de célibat, comme le vœu de chasteté, engage les hommes qui ont prononcé, ou les femmes pour le vœu de chasteté aussi, à pouvoir vivre sans rapport sexuel jusqu'au jour de leur mort. Alors, comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois, c'est pas si facile que ça, on peut chuter, on peut tomber, il y a la miséricorde de Dieu qui existe, il y a le pardon. Mais il faut que ma tête soit claire et que je sache ce que je veux. Voilà. Et donc c'est pour ça que je ne peux pas, au bout d'un moment, commencer à avoir une vie double. Je suis un prêtre avec une femme dehors ou un religieux avec une femme dehors, je commence à avoir des enfants, je commence. C'est un truc qui est quand même sérieusement bizarre et qui pose un problème sérieux par rapport à ta foi et ta relation avec Dieu, hein, que les choses soient claires. Alors, on avait vu que le vœu de chasteté, c'était quelque chose qui était biblique. On avait lu Matthieu chapitre 19, le verset 12. Et dans Matthieu 19, 12, on avait vu que Jésus-Christ a dit, lorsqu'on lui a parlé du divorce et du mariage, hein, les gens sont venus pour le tromper un peu, les pharisiens toujours pour le mettre à l'épreuve, et lui ont dit, pourquoi Moïse a-t-il donné la permission de... Et Jésus-Christ dit, dans Genèse chapitre 2, verset 24, deuxième récit de la création, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Et il dit, ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Et à ce moment-là, Jésus-Christ dit, il y a trois catégories de personnes qui n'ont pas de relations sexuelles. Matthieu 19, 12. Première catégorie, ce sont les eunuques qui sont eunuques parce qu'ils sont nés mal formés. Deuxième catégorie, les eunuques qui sont eunuques par la main des hommes, ceux qui ont été castrés. Et troisième catégorie, les eunuques volontaires à cause du royaume des cieux. Et il y a des gens qui acceptent de vivre sans relation sexuelle à cause du royaume des cieux. Voici ce qu'on appelle le vœu de chasteté. Et le vœu de chasteté des religieux et des religieuses, c'est biblique. Maintenant, la promesse de célibat des prêtres séculiers, ce n'est pas biblique. Mais c'est une loi
qui vient de l'Église. Et maintenant, la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'Église a le droit d'imposer une loi comme celle-ci aux prêtres? Alors, ça nous oblige à avoir une conception de qu'est-ce que c'est que l'Église. Alors, moi, je veux choquer personne, hein, mais je veux simplement vous dire que l'Église, en premier lieu, ce n'est pas le corps mystique du Christ. La plupart des gens, quand vous discutez avec eux sur l'Église, pour eux, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est ce qu'on appelle le corps mystique du Christ. Le corps mystique du Christ, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ceux qui seront sauvés. Et l'ensemble de tous ceux qui seront sauvés, c'est un, premièrement, tous ceux qui sont nés de nouveau. Deux, tous ceux qui ont été baptisés, qui ont leur foi chrétienne, quoi. Mettons ça. Et ensuite, trois, toutes les âmes de bonne volonté. Toutes les âmes de bonne volonté. Je vous rappelle, un jour, il y a un élève de terminale, ils étaient deux, même, qui sont venus dans mon bureau pour me dire, « Mon père, est-ce que les musulmans iront au ciel ?» Et ils ont cité Romains 10, 13. Romains 10, 13 qui dit que « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, si tu n'invoques pas le nom du Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Or, le musulman n'invoque pas le nom de Jésus-Christ comme sauveur, donc il ne sera pas sauvé. Et il y avait un ami qui s'appelle le père Léopold, que je salue d'ailleurs, spiritain, qui avait dit à cet élève, tu as ta Bible? Il a dit oui. Lis Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Et il a lu Matthieu 25, 31 suivant, et c'est le jugement dernier. Et Jésus-Christ dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Jésus-Christ, lors du jugement dernier dans Matthieu 25, 31, ne dit pas, tu as été baptisé, tu as écouté l'émission du Père et Marie, tu as assisté à Christade, tu as été marié à l'église, tu es allé à la messe chaque dimanche. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. C'est quoi? C'est l'amour. Et au terme de notre vie, nous serons jugés sur quoi? Sur l'amour. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui n'a pas connu Jésus-Christ, mais qui a vécu selon l'amour, sera au paradis avec Dieu, que les choses soient claires. Et l'ensemble de tous ceux qui sont au paradis, c'est ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont baptisés et qui ont la foi chrétienne, et toutes les âmes de bonne volonté. Voici le corps mystique du Christ, qui est aussi une définition de l'Église. L'Église est aussi le corps mystique du Christ. Mais l'Église n'est pas premièrement le corps mystique du Christ. L'Église est premièrement l'institution que Jésus-Christ a voulu. Et quand je dis l'institution que Jésus-Christ a voulu, je dis bien volontairement l'institution que Jésus a voulu, parce que tous ceux qui ont fondé une église qui n'est pas l'église de Jésus sont des faux fondateurs d'église qui vous ont trompé. Première des choses. Et Jésus-Christ a voulu une église, et cette église, deux références très importantes, Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue sainte et sans tache. Et l'Église du Christ est sainte et sans tache. Qu'est-ce que c'est que cette Église du Christ qui est sainte et sans tache? Mais il y a une Église pour laquelle le Christ est mort. Et quand le Christ est mort, il a voulu son Église et son Église est là depuis sa mort. Autre référence, 1 Timothée 3,15. L'Église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité qui est la parole de Dieu se trouve dans l'Église et non pas dans la Bible en premier lieu, encore moins dans la Biblette. Et la grande référence, c'est Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et quand Jésus-Christ dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, il bâtit son Église sur la personne de Pierre. Alors l'autre jour, j'ai discuté avec un pasteur qui m'a énervé, il me dit, l'Église n'est pas fondée sur la personne de Pierre, mais sur la foi de Pierre. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas, l'école est bien. La foi de Pierre, c'est ma foi, hein. Moi, j'ai la foi de Pierre. Rappelez-vous le livre de Rome Sweet Home, ce pasteur protestant, qui a écrit comme sous-titre, de la foi de Luther à la foi de Pierre. Moi, je n'ai pas la foi de Luther, j'ai la foi de Pierre. Et la foi de Pierre, c'est la foi de Jean, c'est la foi de Jacques. Les apôtres avaient la foi qui était la foi chrétienne. Et cette foi chrétienne qui était la foi catholique, c'est la foi des premiers apôtres. Et ce n'est pas sur la foi que Dieu a fondé son Église. Il l'a fondée sur une personne. C'est pour ça que dans Matthieu 16, 18, il dit bien, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Il donne les clés du royaume des cieux à qui? À la foi de Pierre?
à la personne de Pierre. Dans Jean 10, 11, il dit, « Je suis le bon berger. » Qui est le bon berger? C'est Jésus. Et dans Jean 21, 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Pierre, « Sois le berger de mon troupeau. » Qui remplace Jésus comme berger? C'est Pierre. Ensuite, tous les autres papes, hein, vous relirez, vous irez faire un tour sur YouTube pour comprendre la succession, tout ça. Là. Moi, je ne reviens pas dessus. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre. Cette église que Jésus-Christ a voulu, qui est sainte et sans tâche. Jésus-Christ dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce que Jésus-Christ a menti? Est-ce que depuis que Jésus-Christ est mort et qu'il a fondé son église, est-ce qu'il est avec son église? Et maintenant, ma question, qu'est-ce que l'église de Jésus? Parce qu'il n'y a que l'église là que je connais moi. Hein. L'église d'un homme, l'église de Martin Luther, ça ne m'intéresse pas. L'église de Salazar-Samba non plus. L'église de Camden-Milledor, encore moins. Et cette église que Jésus-Christ a voulu, cette église a-t-elle autorité sur toi? L'église qui est colonne et appui de la vérité a-t-elle autorité dans ta vie à toi? Tu dis que tu aimes Jésus. Comment tu peux aimer Jésus et ne pas aimer son église? Comment tu peux dire que tu aimes Jésus et entrer dans une église qui a été fondée par un homme? Moi, c'est la question que je me pose. Tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas accepter sa parole. Or, sa parole se trouve dans l'église. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de voir dans les Saintes Écritures cette église que le Christ a voulu, qui est l'église primitive, qui est l'église catholique, celle qui est bâtie sur la personne de Pierre, comme on vient de le voir. Qu'est-ce que cette église va faire? 1. Elle va changer Judas par Matthias. C'est Actes chapitre 1, verset 15. C'est Jésus-Christ qui a voulu qu'on change Judas par Matthias? C'est Jésus-Christ qui a dit changer Judas, une fois que Judas sera mort, changez-le? Non, c'est l'Église qui a décidé. Et l'Église décide des choses, et c'est normal, c'est son travail. Dans Actes chapitre 5, pardon 6, qu'est-ce qui se passe? On va instituer les diacres. Les diacres, là, ils ont été voulus par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a voulu les diacres. Lisons Actes 6. Donc, allons-y. Actes chapitre 6. On lit. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes, ça veut dire les Grecs, les Grecs murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce n'est pas Jésus-Christ qui a voulu ça, c'est l'Église. Et est-ce que l'Église a eu tort de mettre des diacres? Mais il faut respecter l'Église du Christ. Et Dieu va donner une certaine autorité à l'Église et l'Église va commencer à travailler. Ils vont changer Judas par Matthias. On va ensuite fonder les diacres grâce à l'Église. Maintenant, il y a un problème dans l'Église. Vous savez que la plupart des gens qui sont devenus chrétiens étaient des juifs. Et les juifs qui sont devenus chrétiens sont très liés à Moïse et à la loi. Et ces juifs qui sont devenus chrétiens veulent que les gens puissent d'abord recevoir la circoncision avant d'être baptisés. Et vous avez des gens qui baptisent alors des gens qui ne sont pas circoncis. Des païens qui viennent, qui ne sont pas circoncis et à qui on donne le baptême. C'est l'histoire de Pierre, pour ceux qui connaissent, dans Actes 10 et 11, avec l'histoire de Corneille. Et forcément, dans l'Église, il y a une division. Il y a un courant qui judaïse, qui est pour la circoncision avant le baptême, et l'autre qui dit que non, même s'il n'y a pas de circoncision, on peut baptiser. Et cette division est importante. Qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église va se réunir, et l'Église va organiser le premier concile. Le premier concile, qui est le concile de Jérusalem, c'est Actes chapitre 15. Alors, on peut lire si vous voulez, alors je ne sais pas si on va tout lire, mais... Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Donc il y a des gens qui pensaient que la circoncision était nécessaire au salut, alors qu'il n'y a que le baptême qui est nécessaire au salut. 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve.
Je rappelle à ceux qui vous disent que les sacrements ne sauvent pas, que la Bible dit que le baptême sauve. Donc les pasteurs qui vous enseignent des choses fausses, là, il faut les fuir. Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Alors, il va y avoir un grand débat. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit, Pierre c'est le chef de l'église, le premier des apôtres, Simon appelé Pierre dans Matthieu 10:2. Frères, vous le savez, dès les tout premiers temps, etc., etc. Ensuite, Paul va parler aussi, et puis on va prendre des décisions. Et ce qui est intéressant, c'est dans Actes 15:28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et lors du concile de Actes 15, l'Esprit Saint est présent. L'Esprit Saint est présent à un concile. Bon, si on peut le comprendre, c'est une bonne chose. Et l'Esprit Saint qui est présent au concile de Jérusalem sera présent aussi au concile de Nicée en 325. Il sera même présent au concile de Constantinople en 381. Il sera présent même au concile Vatican II. Que ça vous plaise ou pas, moi j'y peux rien. Et je respecte les Saintes Écritures. Donc, et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est on va prendre des décisions. Alors, je vous lis à partir du verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes estimés par les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Donc, l'autorité qu'il y a à Jérusalem lors du concile va écrire une lettre pour leur dire, voici ce qu'il faut penser. Vos frères les apôtres, les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Nous avons appris que quelques-uns de nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont trompé, vous ont troublé par leur discours, etc., etc. Et voilà, nous a paru bon et mettre d'accord, et donc on va envoyer la lettre. L'Esprit Saint et nous avons décidé que, voilà ce qui va se dire. Ce qui est intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors du concile, les apôtres eux-mêmes vont prendre des décisions. Les décisions qui sont prises, ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit, hein. Jésus-Christ a dit, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Lui, l'Esprit Saint, vous conduira à la vérité tout entière. Et l'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière comment? À travers les conciles. Moi, je ne fais que lire les Saintes Écritures. Maintenant, après ce concile, l'Église va prendre des décisions. Ces décisions de l'Église ne sont pas directement les décisions de Jésus. C'est des décisions de l'Église. Qu'est-ce que Paul va faire? Je suis dans Actes au chapitre 16. Il parvint ensuite à Derbé et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, Acte 16, hein, verset 1, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Acte 16, verset 2. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Verset 3. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit. On vient de dire dans Acte 15 que la circoncision n'est pas nécessaire. L'Église a tranché et dit que la circoncision n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien. Et une fois que le concile est fini, Paul, acte 16, acte 15 de concile, acte 16, il prend Timothée et il est circoncis. Il fait le contraire de ce que dit acte 15. Pourquoi? Parce que Timothée ne pourra avoir d'autorité envers les Juifs que s'il est circoncis. Et s'il n'est pas circoncis, il ne sera jamais écouté par un Juif. Et pour qu'il puisse donner le message chrétien aux Juifs, parce que je vous rappelle que Jésus-Christ, comme Paul, allait chez les Juifs dans les synagogues le samedi, le jour du sabbat, pour donner la doctrine. Parce que c'était le lieu de culte des Juifs, la synagogue, le samedi. Et donc Paul voulut l'emmener avec lui, il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. Acte 16, verset 4, là il faut souligner. Il faut souligner ce verset-là, très très important. Acte 16, verset 4. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Je ne sais pas si les gens des nouvelles églises connaissent beaucoup ce verset précis biblique-là, mais j'aimerais qu'ils me l'expliquent. Acte 16. Paul, Timothée, en passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres. Il transmettait les décisions du concile. Voilà ce que veut dire Acte 16, 4.
C'est pour ça que l'Église est importante et Jésus-Christ a voulu une Église. Il est avec cette Église, il dirige cette Église, l'Esprit Saint est là et l'Église a autorité pour dire des choses et transmettre. Et Paul transmet les décisions prises par les apôtres. Paul transmet les décisions prises par l'Église et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Et la conséquence, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Maintenant, bon, amusons-nous un peu si vous voulez. Vous là, qui dénigrez l'Église catholique, je vais vous donner une autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses hein, que l'Église catholique a faites. Mais une des choses importantes, c'est que la Bible que vous avez, le Nouveau Testament que vous avez, il vient d'où ? Ben, il vient de l'Église. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a donné la Bible au monde. Jésus-Christ n'a jamais donné la Bible au monde. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il y a 4 évangiles, 13 épîtres de Paul et je ne sais pas quoi encore. Jamais, ça ne vient pas de Jésus. Ça vient de l'Église. On s'entend ? Maintenant, si vous ne voulez pas la vérité, ça m'est égal, moi, continuez. Hein? Mais les choses sont claires. Comment tu peux croire qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sans croire en cette église dont je parle? Sans cette église, il n'y a pas de Bible. C'est l'église qui a discerné la Bible. Et l'église a discerné la Bible quand? En l'an 400. C'est en 397 que l'église a dit que dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Voilà 27. Les 27 livres du Nouveau Testament. Et c'est l'Église. L'Église n'a pas fait que discerner Judas par rapport à Matthias. L'Église n'a pas fait que discerner pour les diacres. L'Église n'a pas fait que discerner l'Assemblée de Jérusalem. L'Église a discerné aussi le nombre de livres qu'il y a dans la Bible. Et tu ne peux pas avoir de Bible si tu ne crois pas en cette Église. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises la Bible pour dire que l'Église ment. C'est quand même bizarre, non? Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Comment toi-même, tu peux utiliser la Bible pour dire que l'Église qui a discerné le nombre de livres de la Bible est une Église qui ment? Tu dis que l'Église ment alors que c'est l'Église qui a donné la Bible. C'est pas très logique, hein? Acte 8, 30. L'eunuque éthiopien dans son char. Il y a un passage d'Isaïe. Philippe arrive. « Comprends-tu ce que tu dis ? Comment vais-je comprendre ? Je n'ai personne pour m'expliquer. » Et c'est l'Église qui donne la Bible au monde et c'est l'Église qui explique la Bible. Parce que Jésus-Christ a dit aux apôtres, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Et c'est en écoutant les apôtres, donc l'Église, que j'écoute la parole de Dieu, que je reçois la parole de Dieu. Dans une tradition orale, avant qu'il y ait les écrits. Bonjour. On pourrait continuer, vous voyez. L'Église, le repas de la scène. La Sainte Cène. Prenons la Bible. La Sainte Cène, ça se passe comment? C'est à la fin du repas. Et à la fin du repas, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il prend du pain, il prend du vin. Alors, je conseille aux pasteurs qui ont toujours des idées extraordinaires, qui veulent revenir uniquement à la Bible et la Bible, ben, faites d'abord un repas dans votre église. Mais faites comme Jésus-Christ a fait. C'est à la fin du repas. Faites d'abord un repas. Et une fois que vous avez bu et mangé, à la fin du repas, tu prends du pain, tu prends du vin pour respecter les Saintes Écritures. Aujourd'hui, on célèbre la messe sans que tu apportes ton panier pour manger et pour boire. Pourquoi on a séparé le repas de la scène? Parce que l'Église a compris qu'il n'était pas nécessaire que les gens puissent boire et manger avant de pouvoir célébrer la scène. Et l'Église va dissocier la scène du repas. Relisons, si vous voulez, 1 Corinthiens 11. Dans 1 Corinthiens 11, on voit comment Paul nous fait comprendre qu'il y avait le repas juste avant la scène. Je vous lis à partir du verset 14, non? Ou bien 1 Corinthiens chapitre 11. En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, je suis dans 1 Corinthiens 11, verset 17. En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes
d'approbation soit manifesté parmi vous. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Alors il y avait le repas qui était là. Il y en a un qui a faim, tu n'es même pas charitable, l'autre est ivre. Et après le repas, là, on célébrait la scène, comme Jésus-Christ l'a fait. Et l'Église va discerner la scène hein, du repas. Le dimanche. Le jour du dimanche par rapport au sabbat. Et l'Église va imposer le jour du dimanche comme étant le jour du Seigneur. Et je vous rappelle que le jour du Seigneur, ce n'est pas le sabbat. Le sabbat, pour nous les chrétiens, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il n'y a plus un jour réservé à Dieu comme les sabbatistes faisaient dans l'Ancien Testament ou comme font les adventistes aujourd'hui. Il n'y a plus un jour pour Dieu. Tous les jours sont à Dieu. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ a sanctifié le travail, et je me sanctifie 7 jours sur 7 maintenant. Et parmi ces 7 jours qui sont sabbats, l'Église a choisi un jour qui n'est pas le jour du sabbat, qui est le jour du Seigneur. Parmi ces 7 jours qui sont sabbats, on a choisi le jour de la résurrection pour réunir les disciples ensemble. C'est l'Église qui a fait ça. C'est l'Église qui a choisi de construire des paroisses, des diocèses. C'est l'Église qui a... Mais l'Église a mis toutes ces choses-là en place. Et c'est pour ça que terminons maintenant, si vous voulez, avec le passage de 1 Timothée 3.2. Dans 1 Timothée 3.2, lorsqu'on nous dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Alors, mais c'est quand même aberrant. Vous avez des gens qui, en lisant 1 Timothée 3.2, tu lis 1 Timothée 3.2. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Et tu conclus que tous les évêques des diocèses de l'Église catholique doivent être mariés. Mais c'est une aberration. Le mot évêque dans ce passage de 1 Timothée 3.2 n'a rien à voir avec le responsable du diocèse, puisque je vous rappelle qu'à l'époque de Paul, les diocèses n'existaient pas. À l'époque de Paul, il n'y a pas de diocèse. Donc l'évêque responsable du diocèse, ça n'existe pas à l'époque de Paul. Qu'est-ce qui existe à l'époque de Paul ? Il y a Paul qui part avec son ami Timothée. Et ils partent où ? Dans un village. Et dans le village, là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont enseigner Jésus-Christ pour la première fois aux villageois qui sont là. Et les villageois, là, n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et ils vont donner Jésus-Christ à ces villageois. Il va y avoir la première communauté de baptisés dans ce village. Et dans cette communauté de baptisés, il n'y a pas d'évêque responsable de diocèse. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de curé, il n'y a pas de paroisse. Il y a une communauté de baptisés. Et cette communauté de baptisés, on en fait quoi ? Eh bien, il faut bien qu'il y ait un responsable de cette communauté. Et en grec, épiscopos veut dire responsable. Et donc, le responsable qu'on va choisir est le responsable de la communauté, ça qu'on appelle un catéchiste. 1 Timothée 3.2, il faut que le catéchiste soit monogame et non pas polygame. Voilà ce que veut dire 1 Timothée 3.2. Donc, notre Église, mes amis, elle est belle. Et rappelez-vous que cette Église a autorité sur tous les chrétiens. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et ne pas respecter l'autorité de l'Église. Et c'est cette Église qui te donne la Bible. Sans l'Église, il n'y a pas de Bible. Donc, je conclus en disant, notre Église, à partir du 4e siècle, a voulu donc que les prêtres puissent faire cette promesse de célibat, vivant identiquement à la chasteté des religieux, pour être pleinement au service de leur Église. Loué soit Jésus-Christ, et à dimanche prochain. Bye bye.